Coucou mes abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la mise à jour du 9 février 2022 avec... Cette semaine, la ferme de Marley reçoit le nouveau système d'accessoires d'enclos. Donc voilà tout ce qu'on a pour cette mise à jour. On a juste ça, ils ont rajouté en fait des parcours de système d'enclos qu'on va découvrir ensemble juste après. Donc voilà pour cette mise à jour. Alors, on a aussi le retour des Winfield, donc c'est une race de chevaux magiques. Tu as peut-être remarqué les trois Winfield qui ont rendu visite à Gary à Morland ces dernières semaines. Ces chevaux magiques ont pris naissance sous l'influence d'une importante énergie pandorique. C'est pour cela qu'ils changent de couleur. Si tu ne les as pas encore vus, tu as encore 3 semaines pour leur rendre visite. Ils partiront lors de la mise à jour du mercredi 2 mars. Retrouve-les sur la route menant à Fort Pita et adopte-en un pour 999 Star Coin. Moi j'en ai déjà acheté un, j'ai acheté le rose et je l'ai nommé Candy Rose. Tout simplement, voilà. Donc voilà pour cette mise à jour, donc, j'espère que tout ça vous plaira et je vous souhaite un très bon visionnage. Donc nous voici à la ferme Marley et voici ce fameux tableau où on pourra choisir 3 configurations. Choisis la configuration de ton enclos en appuyant sur un bouton. Tu seras la seule à pouvoir voir la configuration en cours de l'enclos. Si tu quittes la zone, l'enclos redeviendra à la normale. Donc on a 3 niveaux. Le niveau A, un parcours tout simple avec des sauts d'obstacles. Niveau B, avec un peu de tout, des tonneaux, des bottes de foin, des barres. Voilà, des pots de fleurs pour décorer un peu. Et le niveau C, aussi un peu de tout, quoi, des deux barres, bottes de foin, tonneaux, voilà. En gros, la course, les parties des enclos B et C se ressemblent un petit peu, voilà. En gros, ça ressemble un peu à de l'équitation de travail, quoi, ça y ressemble. Voilà, quoi. Et on peut même réinitialiser, en gros, on n'aura plus rien sur le paddock de la ferme Marley, voilà. On va faire une petite démonstration du premier parcours A, en gros du saut d'obstacle. Hop, voilà. On invente, on fait son propre parcours. Voilà quoi. On est un petit peu imaginatif. On invente. Voilà. Et voilà. On s'amuse comme on peut avec ce qu'il nous propose. Parcours B aussi. Hop. Et voilà. On invente des parcours. Ils sont simples les parcours. Hop là. Ta 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 ta. Et voilà, on invente le parcours qu'on souhaite faire. Pareil pour le C. Hop. J'invente un... Je fais du pif. Hop. On invente. Hop, voilà. On fait un demi-tour si on le souhaite. Hop, hop, on continue par là. On peut faire comme ça. Hop. Ici, voilà.
Là, on peut tourner ici, hop, et on finit sur le vert, le bleu, là, voilà. On invente. Voilà, pour le parcours C. Et on peut même, hop, glisser ici quand on a fini, voilà. Tout devient normal. Alors, par rapport aux accessoires d'Enclos à la ferme de Marley, comment le système fonctionne-t-il? Le système d'accessoires d'Enclos te permet de choisir parmi plusieurs ensembles d'accessoires lequel placer dans l'enclos. Va voir le tableau d'affichage de l'enclos de la ferme de Marley et un pop-up s'ouvrira pour te permettre de faire ton choix. Tu peux choisir entre trois ensembles, les obstacles de la course de saut d'obstacles d'origine de Marley, des obstacles fabriqués à partir de foin et de tonneaux, et un mélange des deux. Tu peux aussi choisir de ne pas utiliser d'accessoires si tu préfères. Donc voilà pour ce petit renseignement. Donc comme j'ai dit avant la vidéo, donc on a le retour des Winfield, donc les chevaux magiques. Donc il y a trois coloris, le bleu, noir, vert, marron, luisant, je sais pas quoi, hein, dans le couleur. Et après on a rose avec une robe un petit peu gris, plaqué, voilà. Des petites taches comme ça, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai acheté depuis avant. Je l'ai même nommé Candy Rose, voilà. Qui signifie bonbon rose en français. Donc là, de niveau 15, voilà, hop, ça va très vite. Donc on a le bleu là, et le noir. Il ressemble un peu à celui d'Halloween avec les crins violets, orange. Mais lui, il est bleu, alors. Il... Au prix de 599 starcoins, voilà. Comme j'ai dit en début de vidéo. Ensuite, on a celui-là, un petit peu le vert marron. Alors, voilà. Il rend de couleur. Toujours au même prix, voilà. Et ensuite, celui que j'ai acheté, le rose, avec une robe de gris plaqué, voilà. Qui brille un peu, voilà. Toujours pareil. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas si vous en voulez un, à en acheter un, voilà. Il reste jusqu'au 2 mars 2022, donc n'hésitez pas. Puis ils sont pas très chers encore, ça va. 599, ça va. C'est déjà des anciens chevaux de SSO, donc ils reviennent sur le jeu, voilà. Donc voilà. Nous en avons fini avec cette mise à jour, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Elle aurait été un peu courte et un peu pauvre en contenu, donc mais bon, c'est pas grave, c'est toujours ça d'avoir quelque chose à dire quand même dans cette vidéo. Sur ce, la semaine prochaine, tu entends le bruit de petits sabots qui se dirigent vers toi. Donc j'en dis pas plus, mais je pense à une nouvelle race de génération 3, donc peut-être de chevaux. Mais ouais, on verra bien la semaine prochaine, j'en dis pas plus, mais moi je pense à ça. Pour ceux qui regardent les spoilers, voilà, ils ont toute la réponse, mais j'en dis pas plus, voilà. On se dit à la semaine prochaine, mercredi 16 février. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, voire même vous abonner. C'est très important pour la communauté de ma chaîne, et merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait très plaisir à vous. Merci, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos en ma compagnie. Au revoir, bisous, bye, pour de prochaines aventures.